Premières impressions, en fait, je suis arrivé au musée, je suis monté directement à l'étage, comme il fait encore un peu de soleil, je voulais profiter de la vue, et déjà, donc du coup, j'ai vu le musée dans sa globalité, assez rapidement, et ça me paraît ouais, assez intéressant. Quelque chose de grandiose, très très beau, avec un beau soleil qui nous accueille aujourd'hui. Journée magnifique. C'est vrai que moi j'ai connu l'ancien musée qui avait absolument rien à voir. Un endroit où ça nous permet de voir en même temps les œuvres du musée et puis tout Valence. Avant, on n'aurait pas pu, ça n'existait pas. Ça. Donc, on a une vue sur la cathédrale, sur le Rhône, sur l'Ardèche, sur le sol. Pour moi, c'est époustouflant. Moi, je ne suis pas valentinois, donc je suis ici depuis quelques années. Et quand je suis arrivé, en fait, ils ont fermé le musée pour travaux. Donc je découvre aujourd'hui. Ça en vaut la peine quand même. C'est époustouflant. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, moi je suis assez à fond pour la culture, donc oui, je pense que le musée il est indispensable pour une ville comme Valence. Oui, tout à fait. Oui. Le musée fait partie de la vie d'une ville. S'il n'y a pas de musée, quoi, c'est une belle réussite. Ouais. Sincèrement, ouais, c'est bien. Bravo pour tous ceux qui ont pensé à toutes ces œuvres. L'archéologie, il y a de la peinture, c'est très varié. Et ce nouveau concept sur plusieurs étages avec des passerelles, c'est très sympa, très bien. Magnifique. Super réalisation. Vraiment, ouais, et puis ouais, c'est très clair, c'est très lumineux, enfin vraiment. C'est une belle réalisation. Ouais. Oh, et puis en plus, Valence, c'est un lieu où plein de personnes se rencontrent et là, ça va faire venir du monde, je pense. Ouais. Thank you.